quelque chose depuis certains temps. Quand dimanche comme ça, quand on finit, c'est comme si les gens se sont groupés sur moi pour me frapper. Je ne comprends pas ça. Je sens ça. C'est comme si on m'a frappé. Tout ce que je veux faire, c'est rentrer à la maison. Mais à un moment donné, je sentais ça tellement. Je dis, faut pas, je vais trop parler de ça. Peut-être qu'elle va penser que lui, là, quand il prête, là, il fait malin. Dieu, on l'a trop frappé. Donc, c'est fini. C'est le jour où mon père spirituel est arrivé. Quand on était proche de la maison, et puis j'ai dit, papa, on va aller dans un restaurant pour manger. Il dit, mon fils, les dimanches comme ça, quand je finis de prier, je vais rentrer parce que les gens là, en train, ils m'ont trop frappé. Le message que j'ai donné. J'ai dit, ah, donc quand on prie comme ça, là, on dirait qu'on te frappe. Hein. J'ai ressenti ça, mais je ne voulais jamais dire ça. Amen. Donc ce qu'elle a fait ici, l'ennemi sait qu'il n'est pas content. Il n'est pas content. Amen. Mais c'est la volonté de Dieu. C'est lui qui restaure. Et nous allons prier pour qu'elle soit restaurée. Amen. Alléluia. Ce dimanche-là, Dieu puisse encore la remplir, qu'elle va venir déverser celui qui sort des missions pour qu'il les loue même pour aller à la maison. Alléluia. On va prier. Seigneur, je bénis ton nom. Nous bénissons ta servante, Seigneur, ce matin. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce qui est sorti d'elle. Jésus-Christ même pouvait dire qu'il y a quelque chose qui est sorti de moi lorsque la dame l'a touché. Lorsque la femme a touché sa robe, la Bible dit qu'il a dit quelque chose est sorti de moi. Seigneur, tout ce qui est sorti, ô Dieu Tout-Puissant, de ta servante, Seigneur, ce soir, tu l'as rempli de nouveau au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu Tout-Puissant, merci. Nous te remercions pour sa vie. Seigneur, toi qui l'as amené ici, oh papa, nous te bénissons. Parce que nous savons, papa, que ton esprit qui l'a conduit est toujours avec elle, papa. Et ses ennemis, papa, seront dans la confusion et humiliés à chaque fois qu'ils voudront s'attaquer à sa vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu Tout-Puissant, tu l'élèveras encore, papa, davantage, Seigneur. Et papa, ceux qui pensaient des choses négatives à son encontre, verront la gloire et la puissance de Dieu. Parce que là où tu vas l'élever, papa, le monde entier saura que tu ne l'as jamais abandonné. Mais Seigneur, c'est toi qui ouvres les portes au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour ta fille. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce que tu utilises encore davantage dans le monde entier. Papa, nous te disons merci, nous sommes reconnaissants pour ce que, Seigneur, tu nous as choisis et que tu as permis que ta servante, depuis la Côte d'Ivoire, arrive, Seigneur, pour parfaire la joie de tes enfants, de tes filles dans ce pays, papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te disons merci et reconnaissons, papa, que tu n'as jamais abandonné ceux avec qui tu as une alliance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, papa, pour les témoignages que tu mets dans la porte de mes enfants. Merci pour ta servante, Seigneur. Oh, Seigneur, qui va se réjouir parce que tu l'as utilisé comme canal pour bénir, papa, tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour sa vie. Merci pour mes frères, mes soeurs, Seigneur, ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, papa.